Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur un smartphone tout petit Android euh, et ça vous avait pas mal plu. Alors j'ai cherché un smartphone encore plus petit pour voir si on pouvait encore aller plus loin et j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci c'est la marque Unihertz, c'est le Jedi 2 e 2 i hein, sans doute en anglais. Euh, il est encore plus petit. Il faut pas s'attendre à des performances de ouf, mais en tout cas on va voir ce que ça donne dans cette vidéo. Alors pour recontextualiser, euh, Unihertz, hein, c'est une société qui a une vingtaine d'années d'existence, qui fait euh, des smartphones un petit peu différents en fait, tous les gammes ont en fait un petit peu délaissées par les grands constructeurs, et eh bien Unihertz va, va les faire, notamment bah, ce tout petit téléphone, hein. celui-ci fait 3 pouces. Dans la boîte, vous l'avez vu, donc on a quelques notices, on a le smartphone évidemment, ici un câble USB-C puisqu'on va le recharger en USB-C, alors par contre il n'y a pas d'adaptateur secteur de fourni, on a une sangle pour euh, attacher le téléphone, et voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. On va voir du côté des notices, donc voilà le petit paquet. Alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est cette protection en fait, c'est tellement petit, normal, hein, l'écran qui fait 3 pouces, donc ça, c'est une protection supplémentaire. Allez, on va faire un petit tour du côté du téléphone. Donc, il est livré avec sa coque en transparente en plastique toute simple de protection. Donc, pas besoin d'en acheter une supplémentaire. À propos des connectiques et des boutons, donc on a ici en bas euh, les boutons traditionnels chez Android. On a sur le côté droit un port USB-C, le logement SIM, le bouton rouge qui permet de paramétrer euh, donc une action avec une pression longue, une pression courte, euh, une double pression et puis le bouton d'allumage. Sur la partie gauche, on a le bouton volume plus et volume moins. En bas, on a le micro. Et le haut-parleur. De l'autre côté, on a toujours un micro plus un port jack, et puis donc vous l'avez vu, hein, euh, la possibilité d'attacher la sangle qu'on a vu tout à l'heure. Pour allumer le téléphone, on maintient le bouton quelques secondes enfoncé, le bouton principal, voilà. Et donc c'est Android de 12 qui gère ce téléphone, donc on a un smartphone tout à fait normal, alors évidemment l'écran est adapté. Maintenant, est-ce que les personnes qui veulent utiliser vraiment à fond Android vont acheter ce type de téléphone Ça je me pose la question, je ne suis pas persuadé. Je pense que ce smartphone, bah, c'est tout simplement plus un téléphone qu'autre chose. Encore que euh, c'est vrai que bah, l'écran est tellement petit, euh, pour rappeler c'est pas non plus euh, la folie, bien que euh, le haut-parleur ou le micro, on va le voir tout à l'heure, bah, soit de bonne qualité. Donc en gros, hein, pour utiliser ce téléphone, il faut de bons yeux et puis euh, de petits doigts aussi, parce que c'est vrai que si on a des gros doigts, on a vite fait de se tromper de touche. Je passe très rapidement sur l'installation, c'est traditionnel, il hein, n'y a pas de piège particulier. Et puis on va configurer l'empreinte digitale, puisqu'il y a un capteur d'empreinte digitale qui permettra de déverrouiller le téléphone en temps voulu. Petit test de déverrouillage avec l'empreinte, voilà, donc ça fonctionne bien. Je mets mon empreinte sur le capteur qui se trouve à l'arrière, je retente, je, re... je vais refermer. Alors le, le truc c'est que ça fonctionne bien, donc vous voyez ça se déverrouille bien, alors il faut bien poser son doigt, si je le décale un petit peu bah, ça ne marche plus. Bon, c'est un coup à prendre là aussi, mais en tout cas ça fonctionne bien. Et puis comme sur beaucoup de téléphones, hein, l'autre solution pour déverrouiller c'est la reconnaissance faciale, alors là aussi hein, ça prend simplement une photo, c'est pas euh, très sécurisé à mon avis, mais en tout cas voilà, donc là ça me reconnaît direct, donc ça ça marche bien aussi, c'est vrai que c'est quand même plus pratique que le, que le capteur d'empreinte, bon après il faut voir si c'est relativement sécurisé ou non. À propos du processeur, alors c'est le processeur Helio A20 MT6761 qu'on a, qu a là-dedans. Euh, en gros, c'est un processeur qui a déjà un petit peu plus de deux ans et c'est vraiment de l'entrée de gamme. Et justement, côté bench, alors en simple cœur, on atteint 137 points, 454 points en multicœur. Objectivement, c'est sans doute l'un des téléphones, sinon le téléphone le, avec le processeur le plus faible que j'ai pu tester. Mais après tout, hein, c'est pas complètement incohérent par rapport à la taille de l'écran. On n'a pas besoin d'un processeur, ça serait complètement stupide d'ailleurs de mettre un, un processeur ultra puissant là-dessus, puisque c'est pas avec ce type de téléphone qu'on va faire des jeux. Donc en gros, bah c'est bien pour des tout petits jeux. Maintenant, il bah, faudra passer outre si vous voulez faire des jeux un peu plus gourmands, mais dans tous les cas, avec un 3 pouces, vous ne jouerez pas avec ce téléphone. Et puis pour terminer là-dessus, le processeur a cadencé 1,8 GHz et embarque 4 Go de RAM. Et côté stockage, on est à 64 Go. De quoi donc installer pas mal d'applications. Il y en a déjà qui sont préinstallées, notamment une application qui va calculer votre rythme cardiaque. Donc, il faut poser euh, tout simplement le, le doigt sur la caméra et ça calcule. Ça a l'air fiable en tout cas. J'ai trouvé ça assez marrant. Alors il y a plein d'autres applications, justement, hein, c'est dans la, dans la boîte à outils. Donc voilà, tout ce que vous avez juste ici. Avant de passer à tout ce qui est photo, on va faire un petit tour du côté de, de la téléphonie euh, pour voir comment se comporte euh, le téléphone, puisque objectivement, hein, c'est plus un téléphone qu'autre chose. Donc, ici, on a accès à la carte Nano. Et donc, bonne nouvelle côté téléphonie, alors que ça soit micro ou même haut-parleur, hein, le son est très clair dans les deux sens. Donc, bon, c'est bien. C'est un bon point pour ce téléphone. Et puis, tant que je suis dans la partie cellulaire, hein, euh, sachez que ce téléphone n'embarque pas de NFC. Il euh, y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi 5. Et côté batterie, on a 2000 mAh. Alors, Objectivement, euh, je crois que c'est la première fois, alors c'est sûr que là j'avais testé des téléphones des Android à 12 000 mAh, là euh, la batterie euh, baisse bah, assez rapidement, ça tient la journée, mais pas plus. Ce que j'aime bien sur ce type de téléphone, c'est qu'on va pouvoir donc euh, allouer euh, une action, alors trois, jusqu'à trois actions en fait, au bouton euh, donc euh, rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir donc lui lancer certaines actions, mais je vais pouvoir également euh, utiliser certaines applications. Donc je vais prendre l'appareil photo, et lorsque je vais appuyer... Voilà, ça va lancer l'appareil photo, donc je peux lancer une capture d'écran, la lampe torche et tout. Franchement, ça c'est top. Donc voilà, c'est le bouton qui se trouve ici. Et tout de suite, petit test de micro et de vidéo avec la caméra avant. Le Jedi 2E embarque une caméra de 16 mégapixels et on va pas se mentir. Alors là, je suis dans des conditions quand même un petit peu sombres, donc bon, ça peut se comprendre. Mais les photos ne sont quand même pas extraordinaires. On a objectivement parfois des problèmes de netteté, hein, c'est pas très précis tout ça. Euh, et puis côté couleur, bah là aussi, on a des, des couleurs un petit peu dépassées qui ne reflètent pas forcément la réalité. Bon, c'est vraiment un appareil photo d'appoint. À propos de la vidéo, alors c'est pas franchement mieux. Hein. C'est vrai que dans cette gamme de prix, j'ai jamais eu un téléphone qui était capable de filmer de façon correcte. Alors, même si on ne fait pas de comparaison avec un iPhone, objectivement, ce sont des images pas vraiment exploitables. Ici, il n'y a pas de stabilisation. Euh, et puis, bon, les images sont assez sombres. Il n'y a, y a, a pas de contraste. Bon. Bref, même si la luminosité là aussi est assez faible, c'est quand même pas une réussite. Alors, même dans des environnements un petit peu plus lumineux, ça manque toujours de netteté. C'est vraiment pas avec ce téléphone que vous allez prendre des photos, sauf pour dépanner. Un truc que j'aime bien sur la plupart des téléphones Android, c'est qu'ils embarquent une, une application pour la radio FM. Alors il faut évidemment avoir branché le casque, donc ici j'ai branché mon casque filaire, voilà, et donc je peux capter la radio FM et euh, objectivement là aussi ça fonctionne plutôt pas mal. On va pouvoir enregistrer la radio et puis surtout donc c'est tellement compact et un hein, téléphone est tellement petit qu'on va pouvoir l'emmener partout. Donc ça je trouve ça assez intéressant sur ce type de modèle. Et justement à propos de sa taille, donc il fait 95 mm de longueur, 50 mm de largeur et 16 mm en épaisseur. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit, ça rentre dans la main. On n'a pas trop parlé des caractéristiques de cet écran de 3 pouces donc une résolution de 480 par 854 objectivement en luminosité extérieure bon bah c'est quand même assez sombre même si c'est quand même utilisable et dans l'ensemble j'ai trouvé l'utilisation la fluidité assez satisfaisante alors évidemment hein, par rapport à son processeur d'entrée de gamme globalement hein, il est très très actif très fluide donc on a on n'a pas de problème en tout cas à l'utilisation au quotidien voilà ce que je pouvais vous dire sur le jedi 2e donc ce tout petit téléphone de 3 pouces alors à titre de comparaison donc voici un iphone 14 pro donc c'est même pas le plus grand mais vous voyez donc c'est tout petit. En conclusion, à qui s'adresse ce téléphone? Alors j'ai l'impression que c'est quand même pour les gens qui n'utilisent pas forcément Android, même si Android 12 et qui tourne correctement, en tout cas on peut avoir les services d'Android en plus. Euh, donc c'est plutôt peut-être pour les personnes qui, qui aimeraient simplement téléphoner et qui occasionnellement bah, auraient besoin d'Android. Et pourquoi pas euh, à, des, à des jeunes adolescents qui n'auraient pas encore de téléphone pour avoir un petit téléphone voilà qui prend pas de place et, bon, qui risque pas grand chose en tout cas. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'autres téléphones Android.